attention séquence pour ceux qui recherchent des outils et ils sont nombreux bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile .fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets commençons par l'un des domaines les plus évidents le contenu l'outil classique pour définir puis piloter le contenu et l'organigramme des tâches le second domaine connexe au précédent concerne les exigences un outil classique pour les gérer est une matrice des exigences, sorte de matrice de conformité si ce terme vous est plus familier. Le troisième domaine que nous voyons ensemble concerne les délais, son outil l'échéancier. Notez qu'un échéancier peut être représenté sous forme d'un diagramme de grant, mais il n'y a pas d'obligation en ce sens. Le quatrième domaine concerne le budget, traduit sous forme d'un tableau de coûts. En guise de cinquième domaine, la qualité, qui se pilote via la matrice des exigences évoquées plus tôt, un outil pour deux sujets, voilà qui nous arrange, n'est-ce pas Les ressources humaines sont notre sixième domaine. En général, une matrice de type raci est très bien. Concernant la communication, septième domaine, ces outils sont les comités et autres réunions. Ne sous-estimez pas non plus la puissance d'un bon café. Huitième domaine. Les risques et opportunités, bien entendu. Leur outil, leur registre des risques et opportunités. Neuvième domaine, les achats pilotés par un registre des achats, c'est-à-dire un tableau. Enfin, dixième domaine, le pilotage. Le secret, la régularité accompagnée de la procédure de mise à jour de tous les documents et outils vus précédemment. Reprenons. Dix domaines et dix outils. Contenu et organigramme des tâches, exigences et matrice des exigences, outils également utiles pour la qualité, délais et échéancier, budget et tableau, ressources humaines et racines, communication et comité, risque et registre, achat et registre, pilotage et régularité. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais elle doit vous permettre de bien vous sortir de votre premier projet et des suivants. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.